Ah, donc bonjour tout le monde! Bienvenue à ce troisième jam animé. Donc, je vois des nouveaux visages, fait que j'en profite pour donner des petits indicatifs. Pour le jam, vous pouvez toujours communiquer avec moi dans la partie discussion. Donc, c'est ça, excusez, juste un petit message. C'est ça, vous pouvez toujours communiquer avec moi dans la partie de discussion, dans le chat. So you can always chat with me in the chat. Je vais transmettre les messages pour vous aux artistes invités ce soir. Bon, ensuite de ça, ben, je peux vous. C'est ça, vous pouvez toujours mettre en format galerie si vous voulez voir tout ce beau monde qui joue avec nous ce soir. Dans le Zoom, en haut à droite. Je vois qu'il y a encore des gens qui rentrent. Peut-être, il était 59, peut-être que Laura ou Carmen, vous pourriez ouvrir votre micro, puis je me lancerai pour vous présenter officiellement. Donc, bonjour tout le monde, bonsoir, welcome. J'ai le plaisir de vous présenter Carmen Guérard à l'accordéon. Laura Risk au violon. Et Nicolas, excuse-moi, Nicolas Babineau à la guitare. Yes, sir! Donc, je vous laisse avec nos artistes. Hey, hello, bienvenue. Hi, everybody. Bienvenue chez moi, notre salon. Oui, on va juste commencer en jouant quelque chose et après on peut se parler un peu. Et puis, on va le faire bilingue, je pense. Welcome to my house, everybody. We're just going to start out by playing le rire du bonhomme, c'est Oui, ça? commence par le rire du bonhomme. Ça va nous rafraîchir avec une pièce d'Adélard Thomassin. Trois, quatre. Thank you.
jam. Ah, c'est ça. Ça va, Virginie? Oui, oui, je cherchais c'était qui avait oublié de fermer le micro. C'est pas plus grave que ça. Il est commencé, même. C'était le rire du bonhomme. Peut-être que tu écris les titres, toi, Virginie? Oui, je l'ai écrit dans le chat. C'est Thomasin, hein, qui avait composé pour le bonhomme carnaval, semblerait. Laura et moi, ça fait plusieurs années qu'on joue ensemble, surtout pour les veillées de danse, les veillées du plateau, entre autres. Ouais. Fait on va se baser sur, un peu sur les pièces qu'on jouait en commun pour ces veillées-là, pour les ressortir pour le jam, puis des standards. Mais avec Nicolas, mais c'est la première fois pour nous deux. Peut-être justement au jam, si je suis allée là, il y a 2 ans au camp, Souche. Ah oui, on a peut-être jamé ensemble, mais il y avait beaucoup de monde. Ouais. Fait que c'est un plaisir aussi de Oui, vraiment. Plaisir partagé. Ouais. Fait que comme vous autres, on va peut-être se dérouiller parce que pour la danse, ça fait longtemps qu'on a joué. Alors, on pense aux danseurs ce soir, mais... mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Puis ça va peut-être nous mettre en forme pour jouer avec eux, on l'espère bientôt. On espère. Est-ce que, Virginie, est-ce que je dois traduire des choses en anglais ou comment ça fonctionne? Ben non, ben s'il y a des questions qui se posent, que je vois dans le chat là, qui seraient en anglais, probablement que là, ça serait une bonne idée, mais pour l'instant, je crois que les gens comprennent bien, sont habitués en tout cas de nous entendre parler en français. Okay. Si jamais vraiment il y a besoin, on va le savoir. Il y avait parce que j'ai vu qu'il y avait des choses en chat, mais je ne les vois pas parce qu'on est loin. Est-ce qu'il y avait des choses déjà? Non, ça va. J'ai réécrit le titre, puis tout va bien. Je vais vous le dire s'il y a des propositions, d'ailleurs, s'il y en a qui veulent lancer des propositions, je vous les transférerai. On va voir si on peut les faire. Mais, ouais. C'est quoi le bas? On l'a pas fait tantôt, le bal à l'huile, est-ce que c'est trop long? Oh, on peut faire ça. Hein? Un petit peu de me servir le bal à l'huile? Pas trop vite, le du bal à l'huile. Wow. Ouais. Ça commence bien? Ouais. J'en suis passé. Thank you.
De Catherine Bouchard, Riel de Rimouski. Ben non, qui c'est qui est dans le temps, là? Catherine Bouchard. Ah oui, Catherine, oui. Riel de Rimouski, c'est des affaires de trois rangées, puis moi, je joue de la une. La ouais. Une rangée, même s'il y a quelques boutons de plus, là, parce que j'ai une André Bouchard comme accordéon, et non pas Catherine. Alors, Riel de Rimouski, je pense que ça va être le prochain jam. Ouais. Avec Gaston Lollet, peut-être. N'est-ce pas, Virginie? Oui. Des morceaux de là, je t'en ré. Tu sais, je vous dis, artiste, là, sentez-vous pas mal. Moi, je lance les oui, idées. Ça permet de c'est ça. D'en parler. C'est très beau. C'est une très belle demande. La ville de Rimouski. La ville de Rimouski. Ouais. Ah, tu joues-tu, toi? Oui, je joue. Oh, ben là, excusez-la. Tu as pas l'accordéon. Ben non, mais tu peux la jouer toute seule. Excusez-moi, j'ai un violon dans la pièce. Très beau. Très ouais. Beau. Je vous écoute. Ok, je suis pas sûr que je vais le jouer 5 fois. Ouais. Mais quelques fois. Je vais l'apprécier. Ok. Tu te connais? Ouais. Ouais. Pas trop vite pour le jam? Thank you.
Whisky. Ça, je l'ai appris il y a une vingtaine d'années, juste un peu, peut-être un peu moins, mais j'étais voisine avec Marcel Kernian, le frère de Jean, à l'autre maison. Ah oui, oui. Tout ça, tu te souviens? C'est quand on habitait sur Louis Aymon. Louis Aymon, ok. Oui. Lui et sa femme habitaient juste à côté. Sa fille habitait à l'autre. Et des fois, je suis allée juste à côté, par la ruelle, pour visiter et m'appris quelques pièces. Mm-hmm. Mais lui, il faisait. Ça, tu gères. Oui, c'est super. Il faisait comme. Écoutez. Comme son frère. Oui, non, c'est vraiment. Lui, il a fait quelques disques aussi. Okay. Oui, et lui, c'est une jumeau. Marcel et Rodolphe. Okay. Ils avaient un groupe, je ne me souviens pas le nom, mais je pense que quelqu'un va le mettre dans le chat, le nom de leur groupe. Valérie, parce que là, on a joué du macerlé déjà, là. Okay. Peut-être un Valérie, là, pour se dégourdir les doigts. OK. Est-ce que... J'aimerais juste savoir, parce que c'est du jam, est-ce que la vitesse est correcte? Plus lente? Plus vite? On voit-tu des... C'est beau? Si on regarde les caméras... Est-ce que je pense que les gens, ouais, je vois un pouce en l'air pour la vitesse. Is it too fast or is it okay? 2 pouces en l'air, 3 pouces en l'air, je pense que c'est bon. Donc là, vous avez dit le reel de Valleyfield, c'est ça? Oui. Parfait, merci. Thank you.
On voit pas beaucoup d'accordéons, ils sont cachés, sont fermés. Ça, Mow Market, tu es ça. Ouais, c'est du répertoire de... Ça fait Mow Market? Ou de... C'est... Je sais pas. Oui, est-ce que c'est une compo de quelqu'un? Non, c'est du répertoire traditionnel. Ok. Ouais, peut-être de l'époque de Mow Market. Il faudrait mettre quelqu'un là-dessus. Mm-hmm. Bon. My gosh, le temps passe vite. Ben oui, le temps passe vite. Faut jouer les. Est-ce qu'on va. Peut-être les. Oui, vas-y. Je sais pas. Mais je pense que c'est peut-être les deux Lisa. Les deux Lisa, ouais. Les deux Lisa. Ah oui, un petit mix. Lisa l'américaine et Lisa la québécoise, hein? Oh oui, je pense oui? que c'est les. C'est qui? C'est une composition du franco-américain Baudouin, Louis Baudouin, oui. pour Lisa Einstein et pour Lisa, sa fille à lui. Alors, c'est deux Américains. C'est une franco-américaine et une américaine. Oui, c'est ça, c'était ça. Oui. Ok, c'est pas. Ok. Je savais pas que l'autre Lisa, c'était ouais. sa fille. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai entendu. Oh, c'est beau réel. Très beau petit réel. Ça va déjà? Ah oui. Oui. C'est peut-être une pièce qui est peut-être un peu moins jouée pour les sessions, pour les jams, mais quand même, c'est facile. C'est facile à apprendre, je pense. De Christine Tessier, les trois cuisseaux. Moi, je connais pas. Non. Cuisseaux. Ben, elle a écrit cuisseaux, mais c'est peut-être cuisseaux. Non. Non, hein? Mais non. Elle joue du violon, Christine? Je connais pas.
Je vois sa photo. Réel Timé. Il y en a une. Catherine Bouchard qui a cuistot. Voyez-vous, Christine, cuistot. Les trois cuistot. Mais même ouais. À ça. Sinon, Catherine nous donne une autre bonne idée. Réel Timé. Non, on va jouer. Je l'ai mentionné. C'est vrai, tu l'as mentionné. Ok. Oui, on peut filmer. Ouais. Ok. Ouais. C'est une composition? Je pense que oui. Il fait des arrangements, des compositions. Voilà. On dit bonjour, tu sais, ici. Est-ce qu'il y avait d'autres demandes ou
Sinon, nous, on a le cours. Oui, ben on peut faire ça, hein, tu sais, je peux vous en donner. Après ça, le set d'après, vous pouvez faire ce que vous avez préparé. C'est... Ouais. Vous pouvez faire un mélange des deux, là. Mais moi, je pense que peut-être la valse à un moment donné. Oui, mais je pense qu'on la connaître. Non, ok, peut-être sinon, pas. Sinon, il faudrait jouer dans des plus classiques, peut-être la valse Philippe. Ou est-ce que vous voulez quelque chose de plus classique? Est-ce qu'il y avait d'autres demandes? Oui, bien, on a Hélène Malkin qui propose Ril Robin par Claude Mété. Okay. I do, mais ça fait avant la pandémie que j'ai. Ça fait. C'est loin. Loin. Est-ce que, mais c'est oui, pas vraiment une pièce. Ah! Ok, je vais essayer. Ouais. Tu peux m'aider, ok? Je vais essayer. C'est ça, là, c'est en live, pas mal, là. Mais, ça fait longtemps. Il y a certaines pièces que j'ai vraiment jouées
quand je voyais des gens. Ben oui, c'est comme ça. C'est une pièce que j'ai tout le temps. Dans les sessions. Dans mes sessions, mais juste ici dans le salon, toute seule, je suis pas pensée. Ça vit l'autre l'été. Mais oui, c'est ça. Est-ce que, j'ai vu cet été, mais j'ai pas joué avec. Oui, le party, finalement, c'est juste une. C'est pas la grande répétition que j'ai faite. Non. OK. Je suis trompette. C'est juste le party A au complet, mais pas deux fois. Ouais. Alors. Mais moi, je l'aime un peu comme ça, comme oui. Party A plus long. Ah oui, comme tu complètes. OK. Toi, tu as une pièce à Antoinette, tu me sembles que dans les veillées de danse, tu aimes ça. J'aime ça. Ouais. Une autre pièce de violon, mais de Joe Bouchard. Joe Bouchard. Marie-Antoinette. Mais ça fait ta l'opinion oui, aussi. Oui, oui. Et avec tes notes, montre tes notes. Non, mais j'ai, peut-être pour le Robin, j'avais besoin de mes petites notes supplémentaires là, à Joe Bouchard, mais pas pour. Oui. Ah oui, c'est tantôt la découverte que j'aime. Oui. Ok, je vais essayer de la passer. Ok, la galope à Antoinette. C'est ça.
Et veux-tu faire ta pièce plus... Ah oui, le plus centenaire. Oui, une tune d'accordéon, mais il y a peut-être des accordéonistes, peut-être français, la gang de Drummondville. J'aime ça jouer le tricentenaire, il me semble. Le tricentenaire! Henri. Si je me trompe pas, le titre en tout cas. Beau. On a des petites propositions. Donc, Alain Tanguay qui propose le quadrille des Laurentides. De Laurentides, c'est ça. Laurentides. C'est ça. Il me semble que je l'ai lu. En commun, le quadrille des Laurentides. Sinon, j'en ai d'autres. Là, j'ai le Rille Belle Chasse. Oui, je pense que c'est un petit suite, ça. Je l'ai joué à l'épée, pas avant la ville. Ah, il y en a une qui... Marc Bauduc, L'abandonné de Carmen. Est-ce que c'est ça une de tes compositions? Ah ben oui. Ben oui, hein? Vous allez la prendre au camp, je pense, en plus. Je pense que c'est Pascal Jeanne qui l'a montré. Ah oui? Oui. Bon. Bon. Est-ce qu'on peut le faire? Ben oui, on peut le faire. En mi mineur? Ça doit.
Mais oui, une de mes pièces favorites. Mais on l'a bonne année. On va laisser, pas trop. On a trois parties. Comme ça, ça commence comme ça. Ok, on commence. Oh, mais on commence avec une partie. On va commencer cette partie-là, mais. Quand ça a changé, j'ai. Oh, mais c'est ta pièce. Ok. Thank you.
Miss. Qui fait un peu bandoneon, hein? D'où le titre abandonné. J'ai laissé un petit son de on à la fin. Elle pense qu'il nous reste juste quelques minutes, hein? Oui. Est-ce qu'on finit à 8 heures, c'est ça? Oui, le jam finit à 8 heures, mais c'est sûr que ça attire de quelques minutes, c'est pas grave. Parce que là, ici, on n'a pas bonne heure tellement. Je sais pas si c'est quelle heure à ton... En université, c'est 8 minutes. Oui, c'est ça. Quelques heures, mais oui, il y a plein de choses qu'on n'a pas jouées. On n'a pas joué de 6-8, je pense, même. Dans son insertion, il y a quasiment jamais de... Et on peut faire peut-être juste... Ou, je sais pas, mais il y a des choses qu'on peut avoir fait. Y a-t-il une demande de 6-8 ou de base dans ta liste? J'en ai pas vu. Peut-être que si vous avez des idées, if you have any idea of... C'est suite comme on dit ça en anglais. Jigs. Ouais, Jigs! Ah, ben oui! sinon, c'est la valse ancienne. La valse. Une valse, qu'est-ce que tu joues comme valse? Ah, on a Catherine Bouchard qui a été beaucoup, elle a eu beaucoup d'idées à ce soir, c'est bon. Cotillon B. Sainte-Catherine, est-ce que c'est un 6-8? Ah, Cotillon B. Sainte-Catherine, on ne peut pas penser ça? Ah, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Cotillon B. Sainte-Catherine, c'est pas... Thank you.
Ouais. C'est super beau. Il est 20 heures. Ben oui. Ouais, est-ce que vous voulez peut-être faire une pièce de la fin? Y a-t-il des pièces de la fin? Ouais. C'est pas mais on peut faire Jimmy DeGenova, c'est juste. C'est, ah oui, c'est bien. Jean Guinot après. Vous, Jean Guinot. Oui. Tu ne l'as. Oui, on n'a pas joué Jean Guinot de toute façon. Jimmy, c'est un peu long. Ok. Ok, on va continuer. On va faire une base. Mais en seul, on a fait. Oui, hommage. Je joue quand même beaucoup de Philippe Bruno, alors on va jouer hommage à Jean Guinot. On n'a pas joué, hein? Non, on n'a pas joué. On a joué juste avant. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en sol. Mais ça commence en mi mineur. Mais. Ouais. Et une partie en ré. Et la deuxième partie en ré. Ça va aller. Et merci. Oui, merci à tout le monde. Hein, oui, merci Virginie. Merci Virginie. Merci de camp. Bon camp fin de semaine. Oui. Merci, magnifique! Les musiciens! Bravo!
Donc, j'en profite pour dire merci à Carmen Guérard à l'accordéon. On y va à l'envers. Nicolas Babineau à la guitare. Et Laura Risque au violon. Merci beaucoup tout le monde qui a participé. Merci à vous de nous avoir invités pour cette jam-là de plein été, de chez nous. Ouais. Bon, lui, la piscine, maintenant, Laura, elle est la piscine. Ah. Ouais, pas piscine. La piscine de la ville, mais c'est ferme à 8 heures. OK. Oh. Ouais. Non, mais on fait semblant que t'as une piscine à Marie. Non, j'ai pas de piscine. Non, OK, oui, j'ai une piscine. Merci. Merci. Bye tout le monde. Merci.